Oh wow. Devant, tu mets parce que vraiment là, la proue, c'est cool. Hein. Merci les copains, vous êtes trop nos amis. Merci de nous donner une activité dans la journée. Ouais, merci. Quand Quentin m'a proposé de les rejoindre sur cette transat, j'avais plus ça en tête. Après le gris métallique Mercure et la mer peu cordiale des premiers jours, le bleu outre-mer, les caresses du soleil, l'air moite et tiède. Et puis, cet instant où l'on lance le spi, où les vagues ne tapent plus mais où la houle te berce, et où l'on n'a plus qu'à se laisser étourdir par le ronronnement de l'hydrogénérateur et le palpitement des voiles. Est-ce qu'on pourrait dire que ce spi t'inspire ? Non. On a le drapeau marocain pour la preuve ? Ah bah... Oui, hein. Bon. Bienvenue au Portugal. Ouais ! On patiente alors avant l'étape des Canaries, flottant sur un monde mystérieux. Les plaisirs de la pêche nous permettent d'en sonder les profondeurs. Faudrait carrément faire un harpon, hein. Pas dit mon dernier mot. Si tu chopes quelque chose avec ça, t'as mon respect éternel. Quentin qui nous fabrique un hameçon. Ça part bien. Un hameçon pour requin. C'est un peu plus petit, ça me va aussi. Et je pensais découper une petite pâte verte pour faire le pulpito. Et mettre le plomb. Car qui ne tente rien, n'a rien. Un peu de verre pour la crédibilité. Un peu d'aluminium pour le côté shiny. Un peu de jaune pour le goût. Rends-nous fiers. Rends-nous fiers de t'avoir conçu, de t'avoir donné la vie, de t'avoir mis au monde, de t'avoir plongé dans ce grand bain d'eau tempérée qu'est l'océan Atlantique. Apporte-nous du poisson bien frais, du poisson bien charnu, bien dodu, nourri par le phytoplancton vénéré de cette terre. Que cette éponge soit notre mère nourricière à tous. Allez. Amen. Ah ben. Amen. Allez, on y va. Oh putain, comme c'est réaliste, j'hallucine. Oh là là, mieux, encore mieux. Oh oui, il plonge, il coule. Oh, dans ma famille, on est un peu maudit par rapport à la pêche, quoi. Ça fait 10 ans qu'on essaie de choper des trucs, et on n'a jamais chopé que des sacs plastiques en Méditerranée plutôt qu'autre chose. À part la dernière fois. La dernière fois, on a chopé un gros poisson, on a réussi à la foutre autour de l'hélice, quoi. Alors, c'était le plus gros truc que j'avais pêché, mais bon, c'était pas tellement très très utile. Enfin... Il y a un truc qui a sauté là, non ? Allez ! Ah, c'est un ton ! Allez, Maïra ! Ah, c'est un ton, les gars ! Allez, Maïra ! Allez, Maïra ! Ah ! Oh, il est beau ! Oh ! Faut lui donner du rhum ! Du rhum, Nain, faut faire boire du rhum ! 29 octobre, 11h40. Cette fois-ci, on a réussi à ne pas coincer nos lignes dans le moteur. Exultation de l'équipage. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Ma durée, du ton ! Il y avait mettre ingrédients secrets, mais il n'y avait pas te les dire. T'as vu, c'est des dunes d'océan, quoi. Des dunes d'eau. On n'y était pas. Au bout du jour, on ne se faisait pas dans les dos. Ouais, ouais. On était quand même mieux qu'au bureau. C'est vrai. Moi, je suis assez bien au bureau, en fait. Mais moi aussi, mais t'es quand même moins libre. Ouais. Là, t'as quand même la liberté de te dire, allez, je vais te dire, ouais, c'est exactement ça. Bateau. Quand même la meilleure excuse qu'a trouvé le marin pour pouvoir s'empiffrer toute la journée. Un équipage bien nourri, c'est un équipage performant. Et là, on a fait que ça, aujourd'hui. On a fait petit déj, après t'as fait une omelette, après on a mangé, on a refait à manger pour le midi, après on a bouffé du chocolat et des trucs de l'après-midi. Et là, normal, je pense qu'on va se faire un petit truc au milieu de la... C'est quand même violent. Non, à chaque fois qu'on bouffe ensemble, après il y a un truc qui tombe. Pas gaffe. Qu'est-ce qu'il va péter là? Oh non! Ça
intéresse, c'est quoi le merde? Ça peut être plein de trucs. Ouais. Mais il n'y a rien qui ne se répare pas. Voilà. Oh, Cerise, c'est pas trop grave. Ah, c'est que Cerise, c'est juste ça qui est caché. La Driss, elle est en haut. Non, mais la Driss, elle est en haut. Ouais. Ouais, elle est en haut, la Driss. Ça suffit hein, quand tu fais de l'escalade, Charlie. Ouais, enfin là, excuse-moi, mais il y a tout qui pète là, donc. Ouais, t'as vu. Moi, je mettrais bien deux Driss, les gars. Je suis d'accord avec toi. 22h, la manie qui tient la grand voile lâche. Jamais 203. Charlie puis Quentin montent au mât pour aller chercher la Driss. Soirée laborieuse. Elle est un peu inatteignable. Donc avec la gaffe, t'arriverais à la voir? Ouais. Ok, donc on va te monter la gaffe. Charlie, on descend jusqu'à la barre de flotte. La flotte, l'élément, c'est un élément où je suis pas du tout à l'aise, vraiment. C'est pas la tempête quoi, c'est juste l'élément eau, c'est celui où je suis pas. Attends, y'a un max de vent, attends. Ouais, y'a les vagues. C'est moi? Attends, y'a vraiment plein de vent. Quentin, t'es obligé de remonter pour qu'il puisse s'asseoir sur le carreau. Ah, il veut redescendre, il est fatigué. Ah, ok, d'accord. On va envoyer cobaye numéro 2. Monsieur. Pareil, ma vie entre vos mains. Vivre, c'est ressentir en bien et en mal, et c'est aussi peut-être sortir de sa zone de confort. Moi, j'aime l'adrénaline, j'aime le frisson. Il y aura, je pense, des moments où on se dit oulala, qu'est-ce qu'on fait là? C'est sûr. Mais voilà, c'est ça aussi, se sentir vivant. Ouais, bien mon gars. Bon, ok. Ouais, je l'ai. Descendez-moi. Mais j'espère que ça sera un petit peu plus confortable que la galère romaine. Peut-être pas tout le temps. Non, garde-la complètement de ton côté, on la passe après. T'emmerdes pas. Allez, c'est bon, c'est sûr. Allez. Ah, qu'on mettrait là. Non, c'est pas bon. C'est pas prévu pour ça. Le problème, c'est que tu peux essayer de faire passer, mais faut qu'on passe le bout de bord aussi. Faut qu'on passe les deux, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais faire les lashing? Pas très bien, non. C'est exactement ce qu'on doit apprendre à faire maintenant, je pense. Donc ça s'appelle un lashing? Ouais. Je sais pas si c'est approuvé par les maîtres lâcheurs. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais... Jusqu'aux Canaries. Si ça tient jusqu'aux Canaries, c'est bien. Bonjour avec les bébés. Ça paraît pas mal. On va tenir pour l'instant. C'est pas mal, c'est bien. On est bien. Ouais, on va voir qui ça tient à la longue, hein. Bravo, cousin. Belle répa. C'est plaisir. Non, il faut se dire que tous les jours, on apprend un truc de nouveau. L'autre jour, à passer une Driss en pleine nave pour la remplacer. On a appris à vider du poisson à bord du bateau. On a appris à réparer une Driss de grand voile de nuit. Donc, ouais, tous les jours, il y a un petit truc, quoi. Donc, c'est cool. C'est riche. C'est ça, un équipage, au final. C'est des gens qui s'entraident, qui assument les conséquences et qui acceptent le contexte dans lequel ils évoluent. Parce que, au bout d'un moment, quand on est en mer, on n'a pas forcément la maîtrise de tout. Et il faut accepter qu'on est tous dans le même bateau. Toujours en train de geeker. Ouais, c'est trop bien. Non, mais on va passer un petit peu à l'ouest, comme ça on vient. Moteur. Après, on remet les voiles. Canaric. Si le cargo chinois ne nous rentre pas dedans. Ou si nous ne rentrons pas dans le cargo chinois, ça réside un peu plus entre nos mains. Cette décision est entre nos mains. Eh, c'est la full moon party d'ailleurs ce soir. C'était pas demain ça? Ouais, c'est peut-être demain. Ouais. Enfin, c'est ce soir à 31. Mais c'est ce soir, juste toi et moi, tu vois. Ah, c'est notre full moon. C'est notre full moon party. Ah bah c'est bien alors. Hein. Qu'est-ce qu'on fait la fête? Rules, Britannia! Britannia rules the world! Qu'est-ce que j'aimerais qu'il tombe à la shampoing pour laver la crasse.
C'est une fausse douche. Voici comment quelqu'un qui était sale mais pas collant se retrouvera collant d'eau de mer. Pendant cette première partie de France aux Canaries, ça n'est pas encore la grosse traversée jusqu'aux Caraïbes, mais l'on sent déjà la solitude de l'infini. Et tout objet pointant à l'horizon devient source de mille contemplations. La houle se fait nonchalante. Les vagues balancent désormais le Luna Rosa en venant par derrière. C'est l'occasion pour nous de jouer avec la barre et de faire surfer l'embarcation. Tu loffes un peu, tu vas jusqu'à 99 degrés par an, tu fais en sorte de prendre de la vitesse, tu regardes un peu au-dessus de ton épaule où sont les petites vagues que tu as envie de prendre, et puis quand tu as bien de la vitesse, paf, tu as main sur la vague, le bateau il accélère, là, voilà. Ah, c'est ça, c'est tout. Le bateau il accélère sur la vague. Ouais, là c'est bon, ça accélère. Ça plane, ça surfe à mort. Et c'est quoi le record ? 13-7, c'est moi. Ah, celle-là, elle aurait été bien, mais j'ai pas pris de la vitesse. Comment faire en sorte que les gens fassent ton quart à ta place ? Allez, vas-y. Papier, allez ! C'est bon, reprends ! Reprenez, allez, dépêchez-vous de reprendre. Reprends l'autre en fait. La compte ? L'écoute. Est-ce que tu peux... 1er novembre, midi. Après un coup de barre un peu trop lefé de Charlie, le spiff flappe et se déchire tout du long. Sidération à bord. C'était la voile de la traversée. Qu'est-ce qui s'est passé, Quentin ? On a un peu trop lefé, et puis le spiff a battu une fois, j'ai choqué. Il a battu et puis il a explosé. Ouais, ça fait chier. C'est chiant, il tirait bien. Parler à Quentin sans que tu me filmes. Ton premier spi, Charlie. Il y en aura d'autres. Bah non, j'aurais mieux fait de pas me lever ce matin et de te laisser barrer. Non, c'est pas grave. C'est... Je te dis, c'est ma faute, c'est ma responsabilité, c'est pas moi. Enfin, je t'ai pas dit assez clairement qu'il fallait plus abattre. Et puis voilà quoi. On n'est pas parti franchement au tas, mais il a battu, le spi a claqué, c'est fragile. Encore ? C'est des choses qui arrivent. Ça fait chier, ça va nous faire chier une petite demi-journée, après on va se faire bien la bouffer. Ouais, ça va nous faire chier toute la transat si on a les bonnes conditions. J'espère qu'on aura les bonnes conditions pour le Jenaker, ça devrait aller. Encore ? C'est bon ? Un peu plus lofos. Ouais, bah je suis désolé. Moi aussi je suis désolé. On va bien aimer revenir en arrière de 15 minutes. La terre ? Non. J'ai l'impression que je vois quelque chose vers les trucs, à quelques centimètres au-dessus de l'eau de la mer. Comme une petite une montagne. Bah, disons, il y a une petite ouverture dans les nuages comme ça, et on dirait qu'il y a une belle ligne bien coupée en descente, comme si c'était un bout de montagne. En descente, c'est bien, descente. On a un bel accent neuchâtelois. Tu veux dire là où il y a deux, trois petits nuages en descente. Ah, faut savoir qu'on n'est jamais passé à Gibraltar, on l'a mis pour te faire plaisir. Mais il faut même pas le drapeau de Gibraltar, j'en sais rien en fait. Si, c'est le drapeau de Gibraltar. Ah bon ? Ouais.
Allez, ça c'est le picot de je sais pas quoi. C'est le picot de l'envie. Mais je suis d'accord, on dirait qu'il y a une montagne. Ouais. C'est mal plat comme île, hein. C'est un peu comme Lausanne, quoi. C'est un feeling partagé. C'était une belle navigation, surtout depuis qu'on a quitté le sud de l'Espagne, là. C'était vraiment plaisant. Et puis en même temps, il y a aussi la joie de retrouver la terre et puis de découvrir toutes les saveurs de ces îles, quoi. On est content, on n'en peut plus. On veut sortir. Je suis tellement fatiguée que je me sens complètement déprimée. Déprimée. J'arrive même pas à éprouver de la joie d'arriver. Ah ouais? Ouais, c'est peut-être ça qui me fout une bonne idée. Oh. Voilà. Calamouillé, c'est comme les chiens, ça sent. Un peu d'émotion quand même. Calamouillé, mais propre. À peu près. Quentin. C'est formidable, chacun a su se dépasser. Regarde, Fabienne, elle y est arrivée avec une entorse à la cheville. Charlie, il a été présent pour tout le monde. Il nous a nourris, il nous a donné du plaisir, du bonheur. Un petit œuf dur pour les petits enfants. Mathieu, il nous a fait part de son ingéniosité. Un ingénieur à bord, c'est pas trop. Il y a la lune et les étoiles. Et puis le bateau, il flotte. Toi, t'as été là avec tes petites farces et tes blagues. Tu nous as bien fait rire. Chauffeur, merci à toi. David, il a été David, il a été bien. Constant. Efficace dans tous les moments cruciaux. David, il a été au taquet, il était présent. Un rock. Marina Atlantico, Luna Rosa, Merisime. C'est un petit tiers du chemin, il nous reste encore les deux tiers. On arrive avec un spi en lambeau, mais un équipage en un seul morceau, donc ça c'est cool. On va se reposer, retrouver la terre. Et on va se faire les terres volcaniques des Canaries. On va se reposer tout d'abord, mais on aura pas mal de boulot. Hein. Il faudra changer pas mal des boots, pas mal des cordes. Les boots, c'est le nom marin pour les cordes. On va essayer soit de réparer le spi, c'est un beau spi rouge quand même, soit de trouver un autre, ça coûte cher. Et si on a un spi pendant la vraie transat, donc la traversée de l'océan Atlantique Nord qui nous mènera aux Caraïbes, on a quand même une semaine, hein, c'est énorme. Donc, moi j'ai quand même milité pour qu'on essaie de se retrouver cette voile. Parce que le Jamaker, il n'est pas aussi gros. Hein. Novembre, 13h. Après 2500 km parcourus depuis la France, terre en vue, enfin Tenerife, enfin les Canaries, soulagement à l'horizon. Marion, mon amie kiné qui nous rejoint sur l'île, aura du pain sur la planche avec ma cheville blessée. J'espère qu'elle saura bien s'intégrer dans l'équipage. Mais comment repartir? Réussirons-nous à réparer le spi à temps, ainsi que les autres éléments du bateau? Autant de drisses qui ont cassé, autant d'ateliers couture à prévoir. Notre séjour aux îles ne s'annonce pas de tout repos.